bienvenue à Paris les loulous. Bah je me suis dit j'allais faire un petit vlog. J'ai trop hâte, je suis trop contente, je suis épuisée. Mais ça va être super. Ça va être super. J'ai crié un peu trop fort. Non. Mais qu'est-ce que je fais à Paris en fait? D'ailleurs c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Je suis venue rejoindre Matoufaille et Joséphina sur Paris pour le week-end. En fait hier j'avais totalement oublié que je voulais vlogger de base. Je suis arrivée à Paris en train à 19h. Ensuite on allait au restaurant, c'était très sympa. 6 juin, une photo de ce qu'on a mangé. Et après, du coup, bah, on est allé au bar et c'est là où je vous ai dit bonjour. Et après, bah, on est rentré chez Matou. Et puis voilà. Je peux leur faire un room tour? Oui, vas-y, mais c'est un peu souple là, non? Let's go faire un room tour. Donc ici, nous avons l'entrée. Ensuite, ici, nous avons la petite salle de bain. Voici, voilà. Ici, nous avons la pièce à vivre. Avec un petit lit très sympa, la petite téloche. Et ici, nous avons la cuisine. Tu sais que le centre commercial est immense quand il y a un UGC et genre une piscine juste à côté. Genre, il y a une piscine dans le centre commercial quoi. Vrai touriste va au musée du Louvre. Ben juste le voir. Hein. Et là-bas on voit Madame Eiffel. Bonjour Madame, on arrive, vous inquiétez pas. En se baladant, on s'est cotonné sur des petites rues genre qu'on connaît pas du tout. On a trop une bonne étoile là, on tombe que dans les belles rues. Et genre ça là, c'est le truc de la fameuse rue de TikTok dont tout le monde parle. La rue de l'université. Et c'est très joli. On s'est posé dans un café et puis maintenant on va... Je vais faire un petit musée, très sympathique. On va stand-up. Oui. On va voir du stand-up, c'est trop cool. On va à droite. On va à droite. Bon, comme vous pouvez le voir, il fait un temps sublime. Hein. Franchement, c'était trop sympa. Très cool. Oh, je suis morte de rire. Très bonne ambiance. Il y avait Paul Mirabel. Choqué, mais pas déçu. Moi, alors, c'était kiffé. Sympa. Ah ouais. Mais pas beaucoup mon style d'humour. Ah, alors moi, ah, ouais, non, je me suis régalée. Là, on va dans une maison, je sais plus c'est quoi le nom. Du coup, c'est After Squat. C'est une maison qui est décorée par des artistes. Et je crois que ça change un peu. Bref, on va voir. Tu montes les étages et tout, c'est sympa. Tu vois. Sympa. Un peu street art comme ça. Et en plus, c'est gratuit. Paris et le dernier s'est passé très vite et cette fois-ci on va aller vraiment voir le musée de l'évolution, enfin la galerie de l'évolution. On devait la voir hier, on a changé de programme, on s'est un peu baladé et c'était le meilleur programme parce qu'il faisait beau et tout. C'est sympa Matou. Et voilà quoi, on se prépare et puis on va y aller et puis après bah voilà. Ah je vais faire une transition comme ça. Par contre, je suis vraiment en PLS, il y a des papillons de partout, à tous les coins de rue, il y a des papillons. Ça me dégoûte, ça me donne envie de vomir, je déteste ça. Oh, un petit cochon. Putain, Matou, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Oh non, là, je suis pas le coin. Vous trouvez pas qu'il y a l'air de ressemblance? Oh là là. La rougeur, les rougeurs, c'est sûrement ça. Des biquettes, c'est mes copines. Tu as fait la chèvre, Matou? Bah viens, je te le fais. Les filles, faut que je vous fasse découvrir quelque chose, un talent caché. Je sais faire la biquette. Oh putain. Voilà. Moi, passion toilette, elles sont trop belles. Les toilettes, c'est trop important dans les bars et tout. Bon, alors le train est beaucoup moins long que prévu, puisque regardez qui m'a rejoint. Monsieur a été voir sa dulcinée. À Paris, on fait le trajet ensemble dans des escaliers. Pas un seul vlog où je n'apparais pas. Le mec a un melon.
d'un gosse qui se faisait torcher derrière. C'était vraiment une expérience immersive. Le gosse s'est chié dessus et sa mère l'a torché au milieu du couloir. Une odeur aphrodisiaque. Bon, c'est une fin de vlog, voilà. Je ne sais pas comment finir ce vlog autrement que comme ça. C'était un vlog assez court, mais franchement, j'avais juste trop envie de l'immortaliser parce que c'était un week-end trop trop bien. Je suis trop contente. Matou, si tu passes par là, merci encore de m'avoir accueillie. Donc, encore un souvenir immortalisé sur Internet. Et ça, c'est juste incroyable. Bisous!